était une fois dans un royaume lointain, un roi et une reine. Ils avaient une fille. Celle-ci se nommait Cendrillon. Ils étaient tous très heureux, jusqu'à ce que la maladie les sépare. La mère de Cendrillon, un jour, tomba malade et en mourut. Le père et sa fille furent pendant un long moment très tristes de la mort de leur mère Eva. 2 ans après la mort de la reine, le père de Cendrillon décida de se remarier. Cendrillon avait 7 ans. Sa nouvelle femme et ses 2 filles arrivèrent alors au jardin. Toutes les 3 avaient une tête laide et méchante. Nous avons une lettre du roi. Quelle excellente nouvelle. Et que dit-elle, maman? Ouais, c'est vrai, qu'elle dit cette lettre? Je vais la lire. Toutes les jeunes filles du royaume sont invitées au bal samedi prochain. Signé Sa Majesté. Mais c'est vraiment super! Oh oui! Allons-y vite. Oui, il va falloir se préparer. Un bal pour toutes les filles du royaume? Dans ce cas, je suis comprise aussi. Bien, je vais m'habiller dans ma plus belle tenue que j'ai. Voilà, maman, nous sommes prêtes. Ah, moi aussi. Très bien, nous allons pouvoir partir. Nous allons être en retard. Attendez-moi! Voyons, Cendrillon, tu ne peux pas venir. Tu as beaucoup trop de travail. Oh, j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé de faire, madame. Toutes les femmes du royaume sont invitées. Oui, sauf que j'ai encore du travail à te donner, ma chérie. Tu dois éplucher les 30 000 patates qu'il y a dans la cuisine. Une fois que tu auras terminé, tu pourras partir. Même si ça m'étonnerait que tu aies terminé. Maintenant, tu restes ici. Je n'ai pas confiance en toi, alors je vais t'enfermer à clé. Comment pourrais-je faire le travail? Tu le feras à notre tour. Allez. Dans ta chambre, que je puisse t'enfermer. Bien, madame. Je te libérerai à notre tour, en attendant, lave un peu cette chaumière de chambre. Non, je ne pourrai pas aller au bal. Bien, c'est fait, nous pouvons partir. Vite, nous allons être en retard. Oui, j'espère que le prince sera avec moi. Non, avec moi. Peu importe, les filles pêchent en l'eau. Oh, je pose les clés ici et j'y vais. Attendez-moi, les filles! Hi! Hi! Cendrillon! Cendrillon! Hein? Une souris? Oui! J'ai la solution pour te sortir de là. Ah, et quelle est cette solution? Je vais aller chercher la clé qui est posée sur la table. Car je peux me faufiler sous la porte. Ah, oh, quelle bonne idée, si tu pouvais faire ça. Je te remercierai avec énormément de fromage. Je le ferai. À tout à l'heure. To make haste.
Voilà, Cendrillon. Ah, oh, merci beaucoup. Voilà les clés de la marâtre. Je vais pouvoir sortir d'ici. Merci pour tout. De rien. Ah, la lumière du jour. Ah, il faut qu'elle aille retrouver son prince charmant. Oh non, le portail est fermé. Et elle a emmené la seule clé qui pouvait ouvrir cette porte. Cela servait à rien que je me libère de ma chambre si je suis coincée dans ce palais. Un peu l'air. Je vais aller prendre un peu l'air sur la à côté de la fontaine, dans le jardin. Et le pire, c'est qu'ils m'ont volé et déchiqueté ma belle robe. Qui êtes-vous? Je suis ta marraine, la fée Léandra. Je vois que tu es bonne et juste, mais que ta marâtre n'a pas voulu que tu ailles au bal. C'est pour cela que je viens t'apporter mon aide. En quoi pourriez-vous m'être utile maintenant que je suis enfermée? Tout d'abord, tu as besoin d'une nouvelle robe. Je pense qu'une bleue cristal tira bien. Waouh, elle est magnifique. Tu as besoin d'une nouvelle coiffure et d'un diadème. Pas de soucis pour ça. Waouh, ce signet magnifique. Ce diadème. Ce n'est pas tout. On voit tes épaules. Ce n'est pas correct. Je vais te faire apparaître une épaulette. Waouh, tu as raison, ma reine. C'est franchement mieux. Merci beaucoup. Mais je ne pourrai jamais aller au bal à pied. C'est exact. Tu allais me chercher la plus grosse citrouille que tu vois dans le champ. Bien sûr, ma reine. La voici. Bien, je vais voir ce que je peux faire avec. Transforme à tous, in carotus, immediatus. La citrouille a disparu et la place, il y a un magnifique carrosse. Oui, tu ne vas pas non plus y aller à pied. Mais il faut quelqu'un pour le conduire. Vois-tu ce chien là-bas? Je vais le transformer en cocher. Bonjour, pour vous servir, madame. Ah, bon, Alfred, mon carotte. Merci. Il te faut aussi un bouquet de fleurs. Vois-tu cette pelle? Je vais la transformer en bouquet de fleurs. Prends-la dans ta main. Comme ça? Oui, parfait. Transformus in florus. Waouh, délice orientale. Mes fleurs préférées. Et elles sont si bon. Ce n'est pas tout. La carotte ne veut pas avancer sur chevaux. Je vais transformer les deux souris que tu vois ici en chevaux. Bien. Attention. Transforme à tous. Souris tous et une cavalus. Waouh, quel magnifique chevaux. Allez vous appeler les chevaux. Et voilà, j'ai fait de mon mieux. C'était magnifique. Tu as ce qu'il faut pour y aller. Une belle tenue. Et un beau bouquet de fleurs. Ah, merci beaucoup. Je pense que le marâtre ne te reconnaîtra pas. Oui, c'est vrai. Depuis que vous avez changé ma coiffure, je ne suis plus la même. C'est très bien, mais magnifique. Attention, il y a seulement une condition. À minuit, tout cela se retransformera en ce que tu avais au départ. D'accord. Essaye de rentrer avant minuit ou tu seras démasqué. D'accord, je vais essayer. Merci beaucoup. Au revoir, ma reine. Au revoir, ma chérie. Prends soin de toi. Oh, elle a disparu. Bon, je suppose que je vais y aller. Bonjour, madame. Où va-t-on? Au bal, bien sûr, monsieur. Yep. Hey. I love to dance.
Il n'y a pas de glaçons les plus belles. Père, je m'ennuie. Il n'y a personne d'assez correct pour danser avec moi. Oh, écoute, tu es juste trop difficile. Elles sont toutes belles, certes, mais ce n'est pas l'âme de ma vie. Attends, l'âme de ta vie arrivera peut-être. J'en ai marre d'attendre. Nous voici arrivés, princesse. Ah, merci beaucoup. De rien, je vous attends. N'oubliez pas, à minuit, tout redevient normal. Oui, oui, je ne l'oublierai pas. C'est qui celle-là? Je ne sais pas, mais elle ressemble vraiment à Cendrillon. Cendrillon est enfermé. La boîte soit elle, ça doit être sûrement une autre. Waouh! C'est bon, je l'ai trouvé. Cours voir ton âme, sœur, mon fils. Oui, père. Bonjour, madame. Votre nom? Madame Mystère. Bien, accordez-moi une danse. Avec plaisir. Vous êtes si belle. Permettez-moi de vous présenter. Avec plaisir que j'accepterai. Quoi? Le prince a choisi cette vieille gamine. Tu as vu comment elle est moche? Il devait nous choisir, nous, voyons. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, divin. Trinquons à la santé de votre royaume. Oui, et à notre bonheur aussi. Ding. Ça va être délicieux. Ah, qu'est-ce qu'on s'amuse ici? Ding. Qu'est-ce que c'est? Ah, il est minuit. Jusqu'à l'entraînement. Ding. Ah, il va partir. Pourquoi? Mais pourquoi? Plus vite, cocher, démarrer. Oh, on peut être abrité un peu tard. Il ne reste plus qu'un carillon. Ding. Oh non. Le sortilège est terminé. Tout est revenu comme avant. Me voilà encore en lambeau. Maintenant, il faut vite que je rentre au palais et que je me renferme. Avant qu'il rentre. Bon, ça ne sert à rien de rester. Et en plus, la soi-disant le bel prince, c'est parti, le prince n'a pas choisi. Allons-en. Oui, tu as raison, maman. Allez, hop. En plus, on y allait pour rien, on n'a même pas dansé. Et hop, tu peux chez moi. Et en plus, j'ai faim. Moi aussi. Ah, enfin, tranquille. Maman, tu es sûre que ce n'était pas Cendrillon? Mais non, voyons. Cendrillon? Oui, madame. Tu vois bien qu'elle est toujours là. Dans ta chambre? Oui, je ne peux plus sortir, s'il vous plaît. Pouvez-vous ouvrir? Voilà, elle n'a pas bougé. Donc, tu vas faire la corvée de patates. Ah oui, c'est vrai. Oui, j'arrive. Oh, c'est la journée la plus belle de ma vie. Imaginez, on est d'accord.
Bon, c'est bon, allez, magne-toi. On n'a pas que ça à faire, on a besoin de patates. Pendant ce temps-là, père, je dois absolument aller retrouver Cendrillon. Ou plutôt la fille qui s'est appelée la fille mystère. Mais je crois qu'elle est bien dans le royaume. Je ne sais pas où elle habite. Elle a commencé à la trouver. De ce pas à l'équerre de nouvelles informations. Parfait. Le lendemain, Madame la Reine, je veux dire Madame, quelqu'un veut vous voir. Ah oui, et qui ça? Qui peut donc vouloir voir une vieille dame comme moi? Le messager du roi. Le messager du roi? Faites-le entrer à bras ouverts. Bien. Bonjour, nous cherchons la personne à qui appartiennent ces pantoufles. Pourquoi donc? Car ceux qui les détiennent seront... Ceux qui les détiennent seront officiellement la femme du prince. Quelle drôle d'idée. Ah, n'importe qui pourrait entrer, c'est sûr. Non, mais elles sont très particulières. Le prince a dansé l'autre soir au bal avec une femme qu'il aime tant. Qui s'est sauvé et a laissé tomber une pantoufle. Ah, une pantoufle de verre. Oui, je vois. Puis-je la voir de plus près? Bien sûr, madame. Je vois. Je pense que mes filles peuvent essayer. Oui, toutes les demoiselles du royaume. Il n'y a que deux filles dans cette maison? Oui, bien sûr. Ah. Oui, ça. Elle ne rentre pas, madame. Ce n'est pas à vous. Si, si, hein. Désolée. Vous avez trop rempli. Essayons avec l'autre demoiselle. Cette fois-ci, elle vous tombe du pied. Vous avez un trop petit pied. Mais si, si, elle me vend. Désolée, ce n'est pas vous. Encore une maison ratée. C'est la dernière. Le roi a dû rêver. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre fille? Non, non. Attendez-moi, monsieur! Quoi? Ils sont censés être enfermés. Oui, j'étais délivré par eux. Ça y est, plus tard. Puis-je essayer, moi aussi? Bien sûr. La pantoufle est passée. Oh, quelle maladroite je suis. C'est dommage. Peut-être pas. J'en ai une deuxième. La voilà. Oh, elle vous abat parfaitement. C'est donc vous, la princesse mystère? Vous êtes invitée par le roi tout de suite. Venez vite. Attendez, mais je n'ai pas fait mes... Quoi? Wow, où l'emmenez-vous? Revenez, espèce de CA. Dépêchez-vous si vous êtes un homme. Wow, madame la princesse mystère, vous allez enfin retrouver. Mais pourquoi voulez-vous absolument me voir? Parce que vous êtes mon épouse. Je ne suis pas très bien habillée. Oui, j'ai ce qu'il faut pour vous remettre. Comme vous étiez, j'ai remarqué que vous êtes très bien habillée. Alors, bien, je vais vous habiller pareil maintenant. Coiffeuse. Oh, merci beaucoup. Wow, c'est vrai que je suis magnifique. Vous êtes comme le jour où je vous ai rencontré. Merci. Un mois plus tard, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants.
la marraine qui fait deux filles, Anastasie et Javotte. Elle devint la servante de la famille royale. Un verre, monsieur? Pas de problème. Ça me fait pas de mal. Et moi aussi, je vous prie. Anastasie. Eh bien, s'il vous plaît. Un peu trop méchant pour elle. Non, ça leur servira de leçon. Je ne peux pas faire ça pendant toute l'année. Oui. Quelle bonne idée. Et voilà, c'est la fin de cette histoire de Cendrillon.